Bonsoir de la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, au sud-est de l'Asie. Voici mon résumé des titres d'actualité pour le journal français et international Le Monde pour dimanche le 18 novembre 2018. Comme toujours, je vous déclare que je ne veux violer aucun droit d'auteur. Gilets jaunes, la mèche est allumée, on attend la relève. Le LSD a 80 ans, de la psychiatrie à la contre-culture américaine. Homme blanc diplômé, le monde monocolore de la Startup Nation. Débrouille et petit job. Les artistes débutants entre coups de bol et ras-le-bol. Précarité, incertitude, tâtonnement. Les jeunes diplômés des formations artistiques vivent des moments difficiles et intenses après leur sortie d'école. Première guerre mondiale au Moyen-Orient, le centenaire oublié. Le Moyen-Orient continue de payer le prix de la guerre livrée au peuple arabe à partir de novembre 1918 par la Grande-Bretagne puis par la France. Un apéro avec Louise Bourgoin. Vous êtes flic? Chaque semaine, l'époque paie son coût. Rencontre avec l'actrice de 36 ans qui aime les cabinets flamands, les belles mains, les présocratiques. De l'affaire Hariri à l'assassinat de Khashoggi, la méthode MBS. Il y a un an, le premier ministre libanais était retenu en Arabie Saoudite et forcé de démissionner. Derrière cette machination, Mohamed Ben Salman, soucieux de regagner du terrain sur le rival iranien. Un épisode qui porte en germe l'horreur de l'affaire Khashoggi. Incendie en Californie. Trump fustige une mauvaise gestion et un peu le changement climatique. À Tijuana, une ville mexicaine à la frontière mexicaine-américaine, la caravane de migrants n'est pas toujours la bienvenue. Rugby. Le 15 de France ou le 15e de France retrouve le plaisir simple de gagner. La succession de Valls dans l'Essonne, un test pour Macron et la France insoumise. Littérature, Pierre Alferimé, l'humanité en orbite. Quel smartphone choisir pour photographier? Amélie, étudiante recalée en master, c'est une profonde injustice. Sans commun veut redonner de la voix contre la PMA et incarner le mouvement conservateur. La démission n'effraie plus les cadres et encore moins les jeunes diplômés. États-Unis, le candidat démocrate au poste de gouverneur de Floride concède sa défaite. Sexe et obsession de la performance redistribuons le plaisir. Sixième sacre mondial pour Sébastien Ogier en rallye automobile.